coin. Je m'endors contre ton corps. Alors je n'ai plus de doute. L'amour existe encore. Toutes mes années de doute. Ce que ça voulait dire d'aller jouer dehors. Mais c'est tellement incroyable de les voir courir après les grenouilles,
Ils vont à la pêche. Ils ont peur des mers de terre. Ils ont poigné des poissons quand même. Je sais pas comment ils ont fait ça, là. C'est incroyable. Eddie Nelson, ils en profitent. Puis pour moi, de voir les René Charles aussi, bien sûr. René Charles qui joue au golf, qui est allé faire, qui est allé à la pêche. Puis écoute, il est ramené à la maison. Je vous raconte pas une histoire de pêche, là. Parce qu'on en a tous eu des histoires de pêche, là. Minimum, là. Ça, c'est la plus petite japonie. OK, j'ai des grands bras, là, mais honnêtement, il a ramené des trucs à la maison, là. C'est tellement incroyable. Non, écoute, une seule façon. Tu vois-tu à la pêche? Scott, c'est tellement incroyable. C'est tellement fou comment c'est bon. En plus de marcher dans de l'herbe fraîche, quand c'est de la vraie terre, puis là qu'on regarde, puis qu'on voit tous ces arbres qui sont en train, toutes les petites pommettes qui sont en train de changer de couleur. Quand je suis arrivée, c'était verte. Puis il y a un peu de rouge dedans. Puis je regarde ça, puis je me dis, mes enfants voient ça. C'est ça le miracle de la vie. C'est extraordinaire. C'est beau! Et comme si ça, c'était pas suffisant, mes enfants, Eddie et Nelson, surtout, parce que mon grand a quand même 15 ans et demi, les jumeaux ont découvert qu'est-ce que c'était aussi un feu de camp? En pleine nuit, le sirène! Appelle au feu tous les pompiers! Maman! Peux-tu ne faire un, là? Ah non, mon amour. Prends une guimauve, tout va être correct. Un feu de camp. Non, le feu n'était pas pogné, mon homme. Le bonheur s'installait. Évidemment, je leur ai dit, bien sûr, quand j'avais leur âge, que mon père et ma mère, avec mes frères et mes soeurs, finalement, c'était pas grave, même si on avait une petite maison, parce qu'on n'avait pas beaucoup de chambre pour tout le monde. De toute façon, on passait toutes nos nuits à jouer avec la guitare, à chanter toute la nuit, donc on dormait jamais. C'était pas grave. Alors, évidemment, ils ont mis le feu de camp, les manchemandos ont aidé un peu. René Charles qui profite de la pêche, qui essaye de battre son record au golf. Et puis moi, ben, je me suis dit, ben, je vais quand même pas essayer de recréer ces instants-là ici sur scène, puis d'essayer de faire un feu de camp. Vous êtes trop chaud pour ça de toute façon. Deuxième famille, on va s'imaginer autour d'un feu. Mais là, pas de manchement à l'eau, commencez pas ça. OK? On s'installe?